Pas mal. Eh bien voilà, le nouveau écran d'attente. Bah ah, ça va, hein. Moi ça me choque pas plus que ça. C'est fou. On va s'y faire quoi. Moi je trouve que ça passe. Le plumbob est sympa. Donc ça va. Mais c'est mignon tout plein. Pourquoi ils sautent? Ils sont excellents. C'est trop cool. Ok, très bien. Ah ouais, Il Paradiso, Strangerville, L'heure de gloire. Ça veut dire que c'est les derniers trucs qui ont été mis. Allez voir les Sims sur YouTube, allez voir les Sims sur Facebook et allez voir les Sims sur Twitter. Très bien. Ma collection est quasi complète. Il me manque ça. Téléchargez les Sims Mobile et obtenez un portrait de famille pour votre foyer. Les Sims 4. Faudra vraiment que je le fasse pour être cool. Écoutez, je vous donne rendez-vous. Ce sera pour créer un Sims, évidemment. Eshkaya Yams! Et yay, hey, kiki, et petit, bienvenue pour ce nouvel épisode de même pas, c'est l'habitude. Pour cette petite découverte de mise à jour, on va créer un Sims. Ah, voilà, ajouter un Sims sur les manières d'une histoire. C'est à nous donc la nouvelle fonctionnalité. Et on va s'amuser à créer quelques personnages. On va voir en répondant aux questions ce que ça va faire. Et je pense que ça pourrait être très sympathique. Commençons par une question facile. Quel est mon âge? Jeune adulte, adulte et personne âgée. On va dire qu'il est adulte. Je ne sais même pas quel sexe c'est pour l'instant. Ce qu'il y a de mieux dans le fait de posséder un animal? Oh, lui apprendre des tours. Entendre mon chat ronronner tellement. Lui offrir un foyer pour toujours. Ah, oh, les deux derniers sont tellement cool. Ah, oh, j'ai envie de dire que... Avant de penser à moi, je pense à eux et que je leur offre un foyer pour toujours. Je considère les ordinateurs comme un moyen de réaliser des objectifs, un outil de dominer le monde, une source de connaissances illimitée. Ah, pour dominer le monde, ça fait un peu Sauron, mais un moyen de réaliser des objectifs, une source de connaissances quand même. Je trouve particulièrement gratifiant d'aider les gens, les chats à descendre des arbres, ça c'est tout moi, moi-même. Je trouve particulièrement gratifiant d'aider. Les chats, allez. Je vais voir. Je suis sûre que ce sera une aspiration animale, hein, avec peut-être le truc du aime les chats, là, je sais pas quoi. Mon intérêt pour la politique, aucun. Alors ça, c'est clair et net. Là, je fais en fonction de moi, hein, pour l'instant, ce Sims. Peut-être qu'il me ressemblera, peut-être qu'il me ressemblera pas. Varie en fonction des séries télévisées et médiévales. Quel est le rapport? Game of Thrones n'a rien à voir avec la politique. Et très développé, lutter contre les donc in inexistant, ça, c'est clair. Ah, c'est peut-être pas forcément les animaux, hein. Attention. Qu'y a-t-il pour le dîner? Des légumes, un repas complet avec trois plats. Ah oui, carrément. Quelle importance, je mange seul. Ouais, je mange seul. Ouais. Je viens de rencontrer quelqu'un. Pour l'impressionner, je lui fais une farce. Je tente ma meilleure technique de drague. Je me vante de mes collections. Alors, dans le sens rencontrer quelqu'un, dans le sens amoureux tout de suite ou parce qu'on dit, en général quand on dit j'ai rencontré quelqu'un, c'est dans le sens où j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît et avec qui je vais faire des petits bisous. Sinon tu peux juste rencontrer quelqu'un comme ça, amicalement, dans une formation, dans un cours, dans un magasin ou dans le métro et ça peut être juste on discute quoi et ça peut être rigolo. Pour l'impressionner... À la limite, je sais pas draguer, je fais une farce, allez, on va dire ça. On verra bien. Qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de m'amuser? Je passe du temps avec mes amis, j'explore mon côté créatif, je joue à des jeux, je surfe sur Internet, toujours les jeux sur Internet. J'ai trouvé une cause qui vaut la peine d'être défendue. Comment est-ce que je la soutiens? En étant le changement que je veux voir arriver, en distribuant des tracts dans toute la ville, en décrochant un financement du gouvernement. My God! En étant le changement que je veux voir arriver, il faut avant de défendre une cause, je pense que oui, c'est très bien de défendre les causes, mais si vous pouvez vous impliquer vous-même et être le changement, oui, c'est exactement ça, quoi. Il faut mieux être s'impliquer directement, que ce soit les zéro-déchets, l'écologie, les animaux, je ne sais pas, et ben impliquez-vous, quoi. Je pense que c'est plus important à faire. Quelqu'un fait une blague à mon sujet, comment je réagis? Je lui hurle dessus. Je joue le jeu, je ris avec lui, je le vis comme une humiliation. En général, j'essaye de rire avec. Mon type préféré des personnes, les personnes bienveillantes, les personnes intéressantes, les chiens. Je dirais les personnes intéressantes. Et attention, je suis un homme black et je suis roux.
Donc il a bien une aspiration animaux. Il sera pitre, amoureux des chats et froid. Oh mon dieu. C'est comme ça que vous me voyez les Sims. C'est vraiment... Vous me faites du mal quand même. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas à m'attribuer un genre, à modifier mon apparence et à sélectionner mes vêtements. Et n'oubliez pas de me donner un nom. Bah écoute, carrière artiste. Eh mais ça me correspond plutôt pas mal, hein. Vous rêvez de voir votre nom en haut de l'affiche depuis que vous savez l'épeler. Oui. Ou pas, d'ailleurs, enfin, c'est... Oui, non, mais je veux dire, j'aime tout ce qui est artistique, quoi, j'ai jamais dit que je voulais être connue. Satisfaite votre vocation en star artiste professionnel, soit en faisant rire le public avec vous, soit en faisant fondre leur cœur avec vos mélodies. Compétence logique. Ah, oui, c'est vrai. Avoir l'esprit agile est formidable. Et les Sims axés sur la compétence logique exercent leurs esprits jusqu'à ce que celui-ci soit plus affûté que la corne d'une lame à corne. D'accord, d'accord. Compétence comédie. Lorsque vous réalisez que la vie n'est qu'une vaste farce, devenir humoriste coule de source. Et fond de départ standard, vous pouvez toujours mener une vie modeste en attendant de gravir les échelons. Très bien. Bah écoutez, c'est cool. Je vais peut-être le transformer en femme puisque de base je suis une femme. Enfin, la dernière fois que j'avais regardé, mais ça remonte à quelques temps. Je vais quand même changer la couleur de peau puisque ce n'est pas trop moi. Moi, je suis plutôt du genre comme ça. Hein. On va pas se leurrer. Je vais quand même du coup lui mettre une petite couleur un peu bronzée. Parce qu'avec les cheveux rouges, je vais les laisser. Mais franchement, c'est pas trop mal. Bon, ça me ressemble pas. Hein. Ouais, pas très joli. Tu vas changer de nez. Voilà, tu seras mignonne comme tout et tu vas t'appeler Audrey, 1, 2, 3, Morel, eh bien tu feras partie de mon Not So Berry. Je vais t'installer même comme ça directement. Et puis on va te créer une autre personne à tes côtés. L'autre personne, on va aussi choisir en mode story. Et là je vais essayer de répondre en mode complètement mon opposé, en mode un peu thug, rebelle et tout ça. Ça pourrait être rigolo. Commençons par ma question fâchée, on va dire jeune adulte, voilà. Que sais-je des vampires? Ce sont des gothiques avec de grandes dents pointues. Ce sont des créatures de romans pour adolescents. Ils ne perdent jamais leur sang-froid. Allez, des gothiques aux dents pointues. Qui est le plus important pour moi? Les affaires, la famille, la réputation. On va dire la réputation, on va dire que c'est un sale con. Voilà. Il y a déjà sélectionné son activité, son aspiration. Quel est le meilleur moyen de profiter d'une éclipse lunaire? Jouer de l'orgue, s'habiller en noir, regarder avec ma moitié. Ah, s'habiller en noir. Il va être un peu gothique, un peu vampire, j'ai l'impression. Il a l'air de dîner et je commence à avoir faim. Quel est mon plan? Mon corps est un temple. Je cherche des recettes sur Instagram. Où est le buffet à volonté le plus proche? Mon corps est un temple, c'est tellement chelou que... Voilà, on va dire que... À quel point j'aimerais m'impliquer dans la vie d'un enfant? Je veux élever une star, les nounous sont là pour ça, non, je ne fais pas partie de mes projets. Allez, les nounous sont pour ça, bah attendez, c'est un connard, hein, c'est censé être un connard. Bah, après ce sera une femme, vous allez voir. En présence d'enfants, je me sens visionnaire, ils sont notre avenir. Apathique, nous n'avons rien en commun. En colère, ils ne se taisent jamais. Ben, je vais mettre en colère, même si je suis un peu d'accord comme ça. Alors, internet, c'est pour trouver une inspiration, gagner de l'argent et dénicher des mèmes avec des lamas, des mimes, des mèmes, des mimes, il paraît, vas-y, moi j'ai des mèmes. Allez, on va dire que c'est un con, donc il va gagner de l'argent. Et si j'élevais des enfants, quelles valeurs aimerais-je leur transmettre? Les bonnes manières, la créativité, le chaos. Oh, yes. Et il a l'air content. Hein. La meilleure musique vient de la radio et jouer en live vient des jeux vidéo. Oh, moi je dirais qu'elle est jouée en live. Comme c'est censé être un con, on va me dire qu'il est... Il joue des jeux vidéo. C'est pas être un con, mais moi je sais pas. Voilà, bref, on est presque fini pour celui-là. Qu'est-ce que je pense de la lumière du soleil? Elle est trop éblouissante, c'est horrible. Elle me donne de l'énergie. Elle vient d'une étoile naine jaune. Et donc, c'est une femme aux cheveux rouges aussi, finalement. Les Sims, ils ont ici un me. Oh mon dieu, j'adore. Ambitieuse, snob et qui déteste les enfants, mais c'est cool ça. Tu me ressembles beaucoup plus. Non, je rigole. Allez, on est d'accord. Et pourtant, alors, elle va faire une carrière dans les affaires. Et synergie, efficacité, planification. Si ces mots à la mode dans les grandes entreprises vous font vibrer, vous avez choisi la bonne carrière. Compétence bonus, charisme. Compétence jeux vidéo. Autrefois, être bon aux jeux vidéo ne servait qu'à se vanter devant ses frères et sœurs. Mais dans notre fantastique nouveau monde, les prouesses aux jeux peuvent rapporter beaucoup d'argent. Compétence herboristerie. Profiter des cadeaux de la forêt.
Les herbes rares et merveilleuses ne sont pas que des simples plantes, mais aussi de précieux ingrédients. Fonds de départ élevé, vous roulez sur l'or, pensez à utiliser tous ces simflous supplémentaires pour vous gâter. Eh bien, mademoiselle, vous êtes très très bien. On va juste te donner un petit nom. 1, 2, 3, Marie. 1, 2, 3, François. Ouais, alors Marie Garcia, Marie Roussel, c'est très bien. Et cette demoiselle va rejoindre aussi mon jeu. Voilà, c'était la petite découverte du mode story. Je pense que de toute façon, vous l'aurez vu un peu partout. C'est pas grave, vous le découvrirez vous-même avec cette mise à jour qui vient de sortir dans les Sims. C'était juste mon histoire de tester. Je suis pas sûre de refaire beaucoup, mais voilà, je vais pas forcément jouer avec ces personnages. Je voulais juste vraiment tester le mode story. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur ma chaîne. Salut!